Dans le dernier épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright avait à défendre son meilleur ami Paul Defes, accusé du meurtre de Cindy Stone, mais mannequin. Un témoin peut prouver sa présence sur les lieux du crime et il s'agit de Paul Cabo. Que va-t-il arriver à Paul? La réponse, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et nous voici pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Ace Attorney, sorti en 2005 sur Nintendo DS, et en 2001 sur Game Boy Advance, et en 2009 sur WiiWare. Et nous étions au contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavou. Donc, allons-y maintenant. Je faisais des porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu cet homme t'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre, une femme, immobile, morte. Tremblé de peur, et j'ai pas pu y entrer. J'ai tout de suite pensé à appeler la police. Son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. Alors, voilà. Donc je vous explique comment ça fonctionne la contre-interrogatoire. En fait, il y a une partie attaquée et une partie présentée. Attaquée, c'est pour demander des compléments d'informations sur ce que vient de dire le témoin. Et présentée, c'est dans le cas du contradiction, il s'agit de présenter une pièce à conviction qui contredit le texte du témoin. Et ici, il faut présenter le rapport d'autopsie, puisque le rapport d'autopsie te dit que le décès a eu lieu entre 16 et 17 heures, et il dit exactement qu'il était 13 heures, donc 3 heures de décalage, ça n'est pas normal. On va faire... bien sûr, le cri légendaire OBJECTION. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous bien certain? Oui, la vendue indiquait très exactement 13h. Honnêtement, je trouve ça difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure de décès à peu après 13h. Après 16h. Il n'y avait aucun corps à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça Ceci n'a aucun intérêt! Ceci n'a aucun intérêt! Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était! Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavou, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Voilà, c'est bien une bonne question, ça. Excellent travail, Wright. Tu es arrivé à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Les masques de Zanzin, et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez! Je me souviens maintenant! Pouvez-vous nous redonner cette version des faits? Enfin, pouvez-vous nous redonner votre version des faits? Deuxième contre-interrogatoire de Monsieur Frank Cavou, enfin... deuxième déposition lors de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Oh, mais regardez 3 heures, mais c'est bien ça. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Sauf que là, ça marche toujours pas. Tout simplement parce qu'il y avait une panne. Donc, impossible d'écouter la télévision ou encore moins la radio. Je vois. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Ce qui n'est impossible, comme je viens de vous l'expliquer. Monsieur Wright, pouvez interroger le témoin. Wright, c'est quoi faire? Je le tiens. Deuxième contre-interrogatoire sur l'ordre de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure, ça venait probablement à la télévision. Sauf que là, on peut présenter la relevée de panne de courant qui nous dit que l'immeuble de Mazel Stone a subi une panne d'électricité entre midi et 18h le jour du crime. Objection ! Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Gasp ! Oups. Défense marque un point. Et vous, une explication à cela, Monsieur Cavou? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Ah! Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavou? La cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début.
Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Oula, j'ai du mal à dire le mot crédibilité, je ne sais pas pourquoi. Puis vous semblez plutôt affolé. Mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Bien, monsieur Cavou. Écoutons à nouveau votre disposition. L'heure entendue. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Je l'ai vu. Il y avait un pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisé pour attraper la victime. C'est bien cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Troisième contre-interrogatoire. Il fait beaucoup de contre-interrogatoires, beaucoup de témoignages, et souvent beaucoup de témoignages faux. Mais là, on peut dire qu'il y en a un qui est faux parce que, justement, comment peut-il savoir qu'il y a une pendule alors qu'il s'agit d'une statue? C'est présenté comme une statue. Comment voulez-vous que ce soit une pendule? Et c'est l'arme du crime, donc c'est pas possible. Objection! Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous cela que ça ressemble à une pendule? Quoi? Avec votre soumission et vos pierres sa conviction. Mais pour qui vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavou. Mais je l'ai vu là-bas, ok? C'est une pendule. Brunner, si tu peux me permettre. Oui, monsieur Boulet. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son corps et son cou est un bouton. Vous le basculez, elle donne l'heure à voix haute. Comme on dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant que statue. Je m'en excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur White, il semblerait que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est-il pendu? Cette déclaration vous gêne toujours? Eh oui, elle nous gêne toujours. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans les mains. Dans sa main. Alors le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule car il est entré dans l'appartement. Vous mentez! Vous étiez-il dans l'appartement le jour du meurtre? Ah ouais? Prouvez-le! Prouvez que je suis entré! Je vais même faire mieux que ça! Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué! Vous l'avez frappé avec le pendule, et le choc du coup a déclenché la voix! C'est cela le son que vous avez entendu! Silence dans la salle! Curieux! Vous y êtes poursuivi, monsieur Wright? Oui, votre honneur. Monsieur Cavou, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si paumé à propos de l'heure. Objection! Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Tout cela n'est pas une hypothèse sans fondement! Sans fondement? Regardez donc le visage de le témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec ses pendules? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule! J'ai entendu! Non, je veux dire, je l'ai vu! Taisez-vous! Je vous déteste! C'était lui! Je vous le dis! Je l'ai vu! Il l'a tué! Et il mérite de brûler en enfer! Condamné à la mort! Un peu dur, sa voix. Surtout la voix énervée. Silence! J'ai dit silence dans la salle! Brunner, je vous demande un instant! Il n'y a pas la moindre preuve qu'avance la défense! Monsieur Wright? Brunner? Vous avez aimé que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous nous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça. J'ai intérêt à m'impliquer. Oui, Brunner. Le son que Monsieur Cavou a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de faire retentir la pendule. Écoutez cette pendule, maintenant, dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir le pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Bip! Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange.
Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, vous avez entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur Wright? Monsieur Boulet? Pouvez-vous me dire quelle heure il est? Il est 11h25! Il est 11h25! Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Excusez-moi. Soit la différence entre ce que a attendu monsieur Cavou et l'heure réelle de la mort. Donc, monsieur Cavou, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous avez oublié une chose! Oh oh, de quoi il parle-t-il? Même si cette pendule retardait effectivement de 3 heures, cela prouve rien! Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait 3 heures, le jour du meurtre? Si vous pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments! Il a raison! Comment je vais bien pouvoir prouver ça, moi? Bon sang, j'étais si près du but! Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser. Malheureusement, cela met fin au contre-interrogatoire de ce Franck Cavou. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner, et voilà ce qui se passe. On traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Je tenais presque. Désolé, Paul. J'ai pas pu réussir à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien ce que je peux faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavou. Mia! Pardon, patron. Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais patron, c'est terminé. Je peux pas prouver que le pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut le prouver, ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait 3 heures. Et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ok. Right? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? On peut l'imaginer parce que elle est partie à Sydney. Elle est partie à Sydney. Sydney, c'est quand même loin. Et on est à Paris. Alors, on est considéré comme si on était à Paris. Donc, on peut considérer que oui, on peut connaître. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, Wright. Trouve-le et on les aura. Eh bien, monsieur Wright, vous dites que la pendule est retardée dès la 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite des grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Mais ok, l'élément de l'enquête prouve que la pendule retardée. Il s'agit du passeport. Du passeport qui nous dit qu'elle est partie à Sydney. François, la victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous savons tous, le décalage horaire entre ici et Sydney est de 9h. Quand il est que 16h à Paris, il est déjà 1h le matin là-bas. La pendule ne retardait pas de 3h. Elle avançait de 9h. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffit-elle, monsieur Cavou? Ou devrais-je plutôt dire monsieur Café? Nye. Breakdown. Silence! J'ai dit silence! Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client? Il a été arrêté et abandonné, votre honneur. Très bien. Monsieur Wright? Oui, votre honneur? Je dois vous avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le vrai coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais... La cour déclare accusé, monsieur Paul Defès. Not guilty, non coupable. Youhou! Nous avons fini le premier. Case du jeu, wouhou! Sur ce, la séance est levée. F-
finalement, il s'est avéré que Frank Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de récupérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, elle n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, M. Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait dans l'appartement, la victime est rentrée chez elle. M. Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sur la main. Et boum! 3 août, 14h32, on est au tribunal fédéral, salle d'accusé, numéro 2. Phew! Je n'arrive pas toujours pas à croire qu'on a gagné! Wright, tu as fait du bon travail! Félicitations! Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle était aussi ravie, j'imagine que Paul, ce que Paul doit sentir. Merci, fichu! Paul, tu es censé être content? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Nick! T'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, attends! Je veux dire, mal! Très mal, très mal, très très mal! Oula! Mal, très mal, très très mal! Oula, j'ai un peu mal avec la voix. Excusez-moi, ça fait quand même 15 minutes que je suis en train de parler, donc c'est normal que j'ai un peu mal. Paul, tu es innocent! L'affaire est classée! Mais ma signe d'amour, elle est plus là, mec! Elle est partie pour toujours! Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Félicitations, Polo! Félicitations, Polo! Polo? 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 J'ai du mal. Oui, vous? Je vois déjà les gros titres. Paul Défesse, innocent! merci. Je vous dois une fière chandelle. Jamais ne j'oublierai. Jamais! Et vous, c'était ça? Un dîner? Un ciné? C'est moi qui invite! Oh non, je ne peux pas accepter. Et c'est moi qui t'ai sorti des pétrins. Oh, en fait. Tenez. Prenez ça, c'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Une minute, n'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette mandule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien, merci. Je la garderai enceinte pour en souvenir. Yo, Nick. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et, en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul? En êtes-vous si sûr? Paul, en êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va, hein. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, Wright? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve qu'elle ressentait ce qu'elle ressentait pour vous? Enfin, que pour lui? Hein? Oh, oui! Mais de quoi peut-elle bien parler? Il s'agit de la statue, parce qu'en fait, elle l'a gardée. Elle l'a gardée, cette statue. Et c'était quand même assez intéressant qu'elle garde cette statue, alors que pourtant, ils n'étaient pas ensemble. Prends ça! Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où as-tu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour une réveille de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh, Nick! Je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que tu comprends l'importance des pièces à conviction. Et que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Tout comme les gens. On ne peut jamais faire savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour cela, tu dois encore croire en toi. Right? Écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un dîner? C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé de l'ensemble des fesses? Volontiers. En parlant de Polo,
tu m'as dit que c'était en partie à cause de lui que tu étais devenu avocat. Oui, en moins en partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné la tape dans le dos. Il m'a dit sérieux, Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. Je ne savais pas encore. Mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cours d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Fin du premier procès. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu ce premier procès, et on continue bientôt pour le deuxième volte-face, enfin le deuxième épisode qui s'appelle la volte-face des sœurs. Waouh, ça veut dire un mot, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut être intéressant. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. C'était TGF, stay tuned.